Bonjour, je m'appelle Jasser Hagiouessef, je suis musicien, compositeur, je joue le violon et la viole d'amour. Je pense c'est lorsque j'avais 5 ans, j'avais un petit violon et c'était mon jouet encore, parce que j'ai pas pris des cours. Je regardais un concert à la télé. J'essayais d'imiter le violoniste soliste. Et à un moment, il y avait une note qui était bonne. Parce que tout le reste, c'était pas bon. Ça m'a beaucoup ému, la note qui était bonne. Mes parents, mes professeurs du violon et tous les artistes qui ont accepté de partager avec moi leur art, malgré la différence de l'âge à l'époque. Même aujourd'hui, ceux qui continuent à partager avec moi leur art en étant humbles et pour l'amour de la musique, tout simplement. Jean-Sébastien Bach. C'est difficile parce que je viens de cultures différentes et j'aime beaucoup de références. Mais si je dois choisir une seule œuvre, je dirais la sonate numéro 1 pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, parce que elle m'a accompagné dans différentes phases de ma vie. Je peux la jouer en violon solo, je l'ai recomposée pour la jouer avec mon groupe de jazz, je l'ai réarrangée pour un orchestre symphonique. Et là, en ce moment, je la joue à la viole d'amour. Donc c'est une pièce qui m'accompagne et qui se transforme tout en gardant le même essentiel dans cette pièce. Musique, parce que pour moi la musique est sacrée déjà en elle-même. Elle n'a pas besoin d'autres mots. Pour moi la musique est sacrée et elle représente le sacré en elle-même. Le public que j'aime est celui qui écoute avec son cœur et ses émotions. C'est le public qui sait ne pas se faire avoir par la démonstration et le show, qui sait écouter avec son cœur. Les chevaux savent faire ça très bien, par exemple. Ils écoutent avec leur instinct les sons. Et dès qu'on commence à faire des choses qui ne sont pas du tout musicales ou ils sont dans l'ordre de la démonstration, ben, ils partent.